Bicycle. 3, 2, 1, et bien non. Ah, aïe, 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 attention, Philippe, le parapet. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland, encore une fois. Personne ne réagit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau bilan vélo podcast, bilan de fin de saison avec les équipes françaises et les grands boss, les patrons des équipes françaises. Aujourd'hui, un bilan spécial Total Énergie avec, attention, François-Pierre, tiens-toi prêt. Bonjour François-Pierre déjà. Salut à tous, salut Guillaume. Avec Jean-René Bernodeau qui est avec nous. Bonjour Jean-René. Oui, bonjour à tous. Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on est enfin arrivé à vous avoir dans cet agenda chargé de fin de saison. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous dans ce bilan 2021. Donc, on va faire un petit point général de la saison. Ensuite, on passera au cas par cas. Et puis, on passera aussi sur 2022 à avoir le regard vers l'avenir pour cette équipe Total Énergie. Bon, déjà, Jean-René, cette équipe Total Énergie, cette saison, c'est 6 victoires. 3 victoires d'étape avec Christian Rodriguez et Valentin Ferron au Rwanda, mais aussi Pierre Latour aux Asturies. 2 classiques gagnés. Lorenzo Manzin à Valence en janvier. Nicolo Bonifazio au Grand Prix Jeff Cherens à Louvain en août, et puis un classement général gagné, celui du Tour du Rwanda, remporté par Christian Rodriguez. 94 top 10, on les a comptés un par un, Jean-René. Est-ce que vous êtes satisfait de votre saison? On va dire qu'on a fait les victoires que vous avez énumérées, il faut des victoires. L'essence d'une équipe, c'est de gagner, mais moi je retire un gros début de saison dans les Flandriennes qui sont la colonne vertébrale d'une grande équipe, puisque aujourd'hui le Tour de France met les projecteurs sur le cyclisme, mais une grande équipe, c'est bon dans les Flandriennes et au Tour de France. Et moi, je retiens surtout cette belle campagne flandrienne avec Anthony Turgis, qui a été la révélation. Et la révélation à ce niveau mondial, c'est vraiment un très très bon début de saison, ponctué par des accidents, des chutes très vite. Très tôt, Bossenhagen, dès la première course, à 100 mètres de l'arrivée de sa première course dans l'équipe, il s'abîme un genou à Bessèges. Donc voilà, c'est un peu mitigé, mais moi je retiens surtout que c'est la première fois depuis la création d'équipe qu'on est présent dans les Flandriennes, et ensuite on a été un peu absent. Le Tour de France a été un Tour de France décevant. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de bons, le niveau de jeu est bon, et maintenant il faut un petit peu de réussite et puis des réglages. Est-ce qu'il vous manque pas cette saison 7 victoires, je pense notamment à Anthony Turgis, 7 victoires sur une Flandrienne, un peu n'importe laquelle, mais il manque vraiment ce côté de la mettre au fond, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de top 10, effectivement c'est intéressant, vous pesez sur la course, mais il manque juste cette victoire, on a l'impression. Ouais, vous savez, les 6 victoires, je laisserais bien pour un relais dans le final, dans le Tour des Flandres, où il manquait 10 mètres pour accompagner les 3 meilleurs. Vous voyez, c'est un peu fragile. Au niveau aujourd'hui, il faut quand même considérer depuis 2 ans, avec le Covid, que chaque course se fait comme si la saison s'arrêtait le lendemain. Donc, il y a beaucoup de tension, beaucoup de violence, et faut bien en tenir compte. Donc, aujourd'hui, la réussite, le jour où on l'a, gardons la tête froide et gardons beaucoup d'humilité, mais le jour où ça rigole pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce final de Turgis dans le Tour des Flandres, où il manque 10 mètres pour aller accompagné, alors qu'il avait le niveau, de Van Aert, de Van Der Poel, sans problème. Donc voilà, moi je retiens que le niveau sportif, le niveau d'Anthony nous a fait beaucoup de bien. On a aussi un autre bon bilan, c'est que Pierre Latour a fait sa première saison sans accident, alors que ça fait 3 ans qu'il a des accidents graves, 3 fractures en 3 ans. On avait besoin qu'il reprenne confiance, qu'il ait un fond de jeu, comme on dit chez nous en termes cyclistes. Donc il a fini sa saison sans accident. Il a besoin de reprendre confiance dans les descentes. Il est très mauvais dans les descentes. Il perd beaucoup de ses bénéfices de puncheur escaladeur. Donc voilà, il y a quand même de belles perspectives. Jean-René, est-ce que vous avez rempli les objectifs fixés en début de saison 2021? Ah, moi, je dis clairement non. Non, clairement non. L'équipe vaut mieux. Voilà, depuis 3 ans, nous avons rembauché un grand coureur qui sortait d'une victoire au Tour des Flandres, Nicky Terpstra, qui a été 3 fois à l'hôpital, dont une fois avec un traumatisme crânien, un mois à l'hôpital avec une journée de perte de connaissance. Voilà, on n'a pas de réussite. Non, aujourd'hui, le bilan, pour répondre à la question, il n'est pas bon. Effectivement, on mérite mieux. Ce qui est important, c'est qu'on mérite mieux. Mais je ne peux pas me satisfaire de cette saison. J'ai un peu l'impression aussi qu'on va parler du niveau Pro Series auquel vous êtes. Vous terminez 3e de ce classement Pro Series, 22e au ranking mondial.
Après avoir remporté ce classement pour vous permettre d'obtenir les invitations, alors c'était pour avec cette bataille, on rappelle cette bataille avec Wanty Gobert à l'époque pour avoir les invitations au World Tour. On a l'impression que les Alpecin Phoenix biaisent un peu la concurrence. Ils sont tellement forts, tellement au-dessus que finalement, c'est pratiquement impossible d'obtenir cette première place au niveau Pro Series. Elle est incontournable. On va pas prendre Mathieu Van Der Poel comme un exemple, on le prend comme une exception. C'est un coureur atypique qui arrive du cyclocross, qui arrive du VTT, qui veut faire de la route à sa façon. Il fait beaucoup de bien. Et quand on a dans son effectif un Mathieu Van Der Poel, on donne pas de leçons, on a beaucoup de chance de l'avoir. Donc Mathieu a lui-même, à lui seul, a fait 60-quelques% des points de Alpecin. Passons au coureur individuel, Jean-René, si vous le voulez bien. On parlait d'Anthony Turgis tout notre à l'heure, chouchou. Effectivement, notre chouchou. Mais évidemment, Anthony Turgis, quand on le voit sur Paris-Roubaix, sur le Tour des Flandres, surtout en début de saison, même sur Milan-San Remo, où il fait dixième, c'est vraiment un coureur qui a une classique dans les jambes. Reste à savoir laquelle. Paris-Roubaix, c'est la classique que vous voulez gagner, j'imagine. Il y a une seule crevaison dans l'équipe Total Energy à Paris-Roubaix, c'est Anthony Turgis à 4% de la fin de Paris-Roubaix. Donc ça reflète un peu la saison, ça veut pas, voilà, les planètes sont pas alignées, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est le niveau. Mais c'est vrai qu'Anthony, aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, il veut inscrire une belle ligne à son palmarès, mais une très très belle, puisqu'il a déjà gagné. Mais aujourd'hui, il a les moyens d'être, quand il sera bien entouré, de gagner une très grande course. Il lui reste un an de contrat à Anthony Turgis. Est-ce que c'est difficile à gérer une dernière année de contrat comme ça quand on a un coureur qui s'est révélé chez vous? Alors, il faut juste avoir une vraie discussion de fond. Son projet sportif, est-ce qu'on peut répondre à ses attentes? Voilà, c'est des discussions qu'on on passe du temps. Anthony avait des exigences. On n'a pas forcément toujours répondu vraiment bien à ses demandes. Maintenant, moi, je fais que mon budget. Aujourd'hui, on a une équipe qui est très, très correcte. Dans la hiérarchie, nous sommes à notre place par rapport à notre budget pour l'instant. Donc, voilà, Anthony a besoin de grandir. Il a sans doute besoin d'être entouré. Il a besoin de gens qui le mettent dans des conditions où il y a de l'expérience, de la sérénité quand le haut niveau est très violent. Il a une lecture de la course qui est très très intéressante et il sait où il va, il sait où il met ses roues, il tombe pas beaucoup. Et aujourd'hui, évidemment, Anthony, on le courtise, et c'est une bonne récompense pour lui. Et à nous de lui donner des réponses à toutes ses demandes. Je suppose que ça va être difficile de le retenir quand même quand on voit Christophe Laporte qui part chez Cofidis pour aller chez Jumbo-Visma. On peut quand même faire un parallèle avec la fin de contrat d'Anthony Turgis. Je sais pas. Après, chaque personne est construite différemment. Moi, je connais pas Christophe Laporte, je connais seulement le coureur. Mais Anthony, je connais bien ses valeurs. Et aujourd'hui, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il a besoin. C'est quelqu'un de brillant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, son éducation fait qu'on a moyen de répondre à ses attentes. On va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos obligations, c'est de le prolonger. Justement, par rapport à Anthony Turgis, quel leader est-il en fait? C'est-à-dire, est-ce que quand un coureur comme Edvald Boasenagen, même Niki Terpstra, doivent rouler pour lui, vu qu'ils ont un sacré palmarès, les deux, est-ce qu'il arrive à fédérer autour de lui? Anthony découvre quand même sa première grosse campagne de classique au niveau où il était, c'est cette année. Donc, il n'a pas commencé l'hiver dernier en établissant des plans avec un groupe autour de lui qui a des automatismes, des rôles précis. À chaque classique flandrienne, il s'affirmait comme un grand coureur, mais c'était quand même quelque chose, entre guillemets, on savait qu'il avait le niveau, mais on ne pensait pas qu'il allait arriver à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il va mûrir, il va parler de l'avenir, il va parler de ce qui lui manque. Non, mais je vous répète, Anthony a une vraie lecture de la course très précise et c'est vraiment quelque chose que nous, les dirigeants, on peut pas donner. On l'a, on l'a pas. Et je sais qu'il connaît ses carences et il connaît les carences de l'équipe. Anthony Turgis, c'est le coureur qui, pour la troisième saison de suite, a donc rapporté le plus de points à votre équipe. Derrière, cette saison, c'est Pierre Latour. Donc, à 28 ans, il était recruté l'hiver dernier. On va dire que c'est, vous en avez parlé, une saison sans réel pépin. C'est une saison encourageante, on va dire, pour un début chez Total Energy. Non, mais Pierre, c'est quelqu'un de particulier. Moi, je vais parler avec mon cœur et de la façon, j'ai quand même un côté un peu anticonformiste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation de la société fait que il y a parfois des burn-out, il y a parfois des gens malheureux. Et c'est vrai que la particularité de chez Total Energy, c'est de connaître les gens, leur parler, de leur donner un cadre de vie où ils puissent s'épanouir. Et les premières discussions avec Latour fait que ça a matché, comme je l'ai fait avec d'autres. Donc aujourd'hui, Pierre, il avait besoin de confiance, il avait besoin de refaire une année pleine, il avait besoin de connaître le fonctionnement de mon équipe.
Et on va dire que cette première année, le fond de jeu est gagné. Et maintenant, on va construire avec des obligations pour lui et des ambitions pour nous beaucoup plus élevées. Alors, avant de parler de 2022 et qui allait après avec votre projet alléchant, parlons quand même d'Edvald Boasenhagen et de Nikita Pstra. Edvald Boasenhagen, le Norvégien, 34 ans, Nikita Pstra, 37 ans. Depuis qu'ils sont arrivés chez vous, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas les coureurs. Alors, Nikita Pstra, il y a eu beaucoup de malheurs, on va dire, avec les accidents, notamment son traumatisme crânien. J'imagine quand même que vous êtes un peu déçu de leur part, ou leur rôle était vraiment d'encadrer Anthony Turgis, en tout cas, ou même d'autres coureurs de l'équipe. Bon, d'abord, première chose, moi je ne juge jamais un coureur qui a eu 3 accidents graves, 3 fractures, une fois la perte de connaissance. On ne juge pas quelqu'un qui a ces accidents. Et ensuite, pour Nicky, évidemment, vraiment une malchance terrible. Je l'ai eu encore hier, il m'a dit, René, j'aimerais vraiment que, si la chance est avec nous, continuer. Donc on va essayer de trouver peut-être une solution, mais pour Nicky, c'est quand même une malchance terrible, les accidents graves, la peur qu'il a aujourd'hui de frotter, mais c'est toujours un coureur très fort qui a envie de mettre le peloton en ligne. Et aujourd'hui, le peloton en ligne, il y a peut-être des perspectives intéressantes si demain on trouve un accord. Et pour Edvald Boasenhagen ? Et pour Edvald, c'est très simple, très très simple. Il vient d'être papa. La Norvège était confinée. Il a été bloqué tout l'hiver. Il a fait que de l'home-trainer. Il n'a pas eu le droit de sortir. S'il ressortait, il y avait une quarantaine très compliquée à faire. Et ensuite, il est arrivé dans une condition correcte à Bessège. Il était en tête à 100 mètres de la ligne d'arrivée de la première étape et il tombe. Donc voilà, on va pas dire que c'est génial, génial pour commencer. Il a retravaillé beaucoup, il a fait 2 stages et autour d'Argovie, il retombe gravement. Donc aujourd'hui, avec un Tour de France, on a voulu le mettre quand même, mais que peut-être qu'on aurait dû hésiter puisque en physiologie, il y a quand même des choses qui sont pas forcément efficaces pour le rendement quand on a des chutes si graves. On l'a mis au Tour de France et il l'a payé cher. Et voilà, moi, je ne rejugerai pas Edvald. D'ailleurs, puisqu'il n'a pas eu de réussite, on l'a prolongé 2 ans pour qu'il puisse, parce qu'il est heureux chez nous, puisqu'il puisse aller chercher une belle victoire pour nous récompenser. Jean-René Bernaudot avec nous dans Vélo Podcast pour ce bilan de l'année 2021. Bon, Jean-René, on laisse 2021 derrière. Regardons 2022, parce que là, 2022, vous avez quand même sorti l'artillerie lourde. Ça rigole plus, 4 recrues, ça rigole plus, attention. Bon, très rapidement, on va quand même citer le jeune Sandy Dujardin, une belle promotion pour ce sprinter, avec 6 victoires, 18 podiums chez Vendée-U cette année, dans le top 10 du peloton amateur, que ça soit sur Direct Vélo ou la FFC. Mais surtout, quand même, il faut le dire, il faut le rappeler, parce que le dire, tout le monde le sait, mais c'est ce trio qui a fait grand bruit dans le cyclisme français au moment de l'annonce, Peter Sagan, Daniel Oss, Maciej Bodnar. Bon, Jean-René, directement, à quel moment vous vous êtes lancé, à quel moment vous avez eu le déclic pour vous dire, allez, je vais recruter Peter Sagan? Moi, j'ai fait mon chemin dans le cyclisme, j'ai une réputation, et Sagan a une façon de fonctionner. J'aurais aimé parler à Julien Alaphilippe, il se trouve que Patrick Lefebvre a pu lui faire une proposition avant que les négociations commencent. Ah donc c'était pas du bluff, il y avait vraiment Julien Alaphilippe aussi, pourquoi pas, dans le viseur. J'avais envie d'aller loin dans une négociation pour voir ce qu'était capable de faire Julien et peut-être que trouver un accord avec lui, mais ça fait partie d'une négociation qui a pas commencé. Mais c'était juste de l'envie, on avait eu des coups de fil, hein. On s'est écrit, on a eu des coups de fil et Julien m'a dit texto, avant le 1er mai, je ne peux rien faire, j'ai fait des promesses à Patrick et s'il peut me faire une proposition avant, ça sera plié. Voilà, pour vous dire la vérité, c'est exactement ça. Et la proposition de Patrick a été faite avant le 1er mai, donc la discussion n'a pas pu commencer. Donc je me suis retrouvé avec cette information que Peter Sagan avait décidé de quitter Bora, il se sentait pas bien chez Bora. Et j'ai demandé un petit peu pourquoi, et voilà, dans mon réseau, j'ai su que Sagan voulait retrouver un challenge, un vrai challenge, comme il l'a eu en arrivant chez Bora, qui était une petite équipe. Et voilà, après, c'était une longue négociation de 4 mois avec très peu d'obstacles, des conditions, des discussions et des solutions assez rapidement trouvées. Au fur et à mesure, la faisabilité devenait vraiment très, très sérieuse. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on échangeait, on était plutôt en phase sur un monde qui va pas bien, un monde qui prend pas de plaisir. Et Peter, avec son réseau, il a enquêté sur moi. Avec mon réseau, j'ai enquêté sur lui. Il n'y a pas trop de raisons de pas pouvoir avancer encore plus. Et voilà, on s'est trouvé vite d'accord. Et surtout qu'avec l'arrivée de Specialized, qui est une marque qui fait rêver tous mes coureurs, ça a été possible. Juste une question un petit peu subsidiaire, c'est Yoray Sagan, le frère de Peter Sagan, qui ne vient pas chez vous alors qu'il l'a suivi partout. Pour quelle raison? Mais c'est pas encore terminé puisqu'on. Donc voilà. Donc je peux pas vous répondre, mais il se peut que Yoray nous rejoigne
on va discuter un peu comment il voit, quelle place il a auprès de son frère. Il faut savoir si c'est important, très important ou très, très, très important. Donc, c'est des choses qu'on est en train de finir aujourd'hui. Je ne sais pas si dans 8 jours, on va boucler notre effectif ou pas, mais Juran n'a pas été mis dans les négociations au départ et aujourd'hui, on en parle un petit peu. Vous êtes conscient que votre équipe, il va y avoir une attente beaucoup plus forte avec l'arrivée de Peter Sagan? L'attente, elle sera faite par qui? Moi, ce que j'ai envie, c'est de redonner de l'attractivité, de redonner du plaisir aux gens. Voilà, oubliez pas quand même que le cyclisme aujourd'hui a besoin de se réinventer. Quand on voit Van Aert, Alaphilippe et Van Der Poel, c'est les 3 coureurs qui donnent le plus envie de regarder la télévision, de regarder une course de vélo. Et je pense que Peter est vraiment un anticonformiste, comme je le suis. Et c'est vrai qu'on va rentrer dans ce jeu. C'est pas forcément la comptabilité qui va nous intéresser l'an prochain, mais marquer un petit peu les esprits parfois et puis d'aller chercher un exploit. Donc aujourd'hui, Peter, ça reste un grand coureur qui a beaucoup d'expérience. Puis qui a envie, il aurait pu, à son âge, chercher le confort. Il a envie d'un challenge et j'aime beaucoup. Il était au manoir des Essarts il y a quelques jours et ça s'est très très bien passé. Il a de plus en plus envie. Il est très et c'est quelqu'un qui a connu énormément de gloire et qui avait besoin de quelque chose d'un peu croustillant pour relancer sa carrière. On a l'impression que vous voulez retrouver l'esprit Bouygues Télécom au début des années 2010 avec Vauclair un peu en superstar qui fait un peu rêver tous les Français et en faisant des coups. C'est un peu ça? De toute façon, il y a moi j'ai une situation où je sais parler de chiffres hein, et ce que je connais comme chiffres qui sont indiscutables dans le sport cycliste, ce sont les audiences. Et aujourd'hui, quand les audiences sont bonnes, c'est que les gens sont contents. Et aujourd'hui, le sport doit donner du plaisir aux gens. On peut pas avoir beaucoup d'argent et acheter la victoire avec en enlevant l'insécurité du sport. L'insécurité du sport, c'est ce qui donne son piment. Et aujourd'hui, les plus grosses équipes avec des gros budgets, je ne sais pas si c'est eux qui font péter les audiences, mais je sais que quand Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot, que j'aime beaucoup, attaquent dans le Beaujolais autour de France, c'était totalement imprévu, c'était génial. Et aujourd'hui, on doit retrouver un petit peu d'envie. Les championnats du monde avec Thomas Vauclair, manager, c'était génial. Quand on met à profit l'intelligence et l'instant T du cycliste de haut niveau, c'est génial, ça donne de l'envie. Et aujourd'hui, Peter a vraiment envie de ça. L'oreillette, il n'est pas fan, moi non plus. Moi, je suis un des seuls aujourd'hui à affirmer que l'oreillette est plus nocive que positive. Donc, à partir du moment qu'on aime son sport, parce qu'on n'est pas dans le business, on est dans le sport, on doit donner de l'envie. L'envie, c'est de faire du bien aux gens et que la victoire soit très, très belle. Et si elle est belle chez le concurrent, c'est pas très grave. Mais il faut faire des belles victoires qui font du bien aux gens. Et aujourd'hui, la comptabilité, je m'en moque un peu. Il faut qu'on s'installe dans le paysage avec une identité forte de gens qui vont laisser une trace. Et Peter, aujourd'hui, nous a rejoint pour ce discours, uniquement pour ce discours. Parce que je pense qu'il avait vraiment des équipes qui voulaient l'accueillir, où il y avait un confort sans trop de pression. Et j'aime beaucoup son sourire quand il me dit je vais me fabriquer une belle famille avec vous. Donc, on doit comprendre que Peter Sagan va être complètement dans un rôle d'électron et pourquoi pas laisser aussi un peu de place à Anthony Turchis pour la mettre au fond à côté. Ça peut aussi être une sorte de duo qui peut faire péter toutes les classiques au printemps. De toute façon, 1 et 1 au plus haut niveau, ça fait souvent 3. Quand on se retrouve dans la finale de grande course, il y a rarement une équipe qui a 3 coureurs. Et aujourd'hui, Anthony et Peter étaient ensemble dans le final du Tour des Flandres, quand on reprend la plus grande course du monde avec Paris-Roubaix. Imaginons ce que sont 2 coureurs de ce niveau-là avec le même maillot. Ça peut être l'un ou sur l'autre. La pièce peut tomber sur l'un ou sur l'autre. Mais c'est vrai que Peter m'a dit, si demain Anthony gagne une belle course grâce à moi, je serais aussi fier que si j'avais gagné. Et ça, il me l'a dit. Damien Godin, que vous n'avez pas gardé, a eu une réaction, alors une interview dans West France, je sais pas si vous l'avez lu, peut-être un petit peu dur à votre égard. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous avez déjà discuté avec lui depuis? Ou alors, on peut le dire, il a dit que l'esprit de famille, on va dire, pour résumer un peu cette interview, avait disparu chez Total Energy avec l'arrivée de Peter Sagan. Il était un peu déçu de ne pas rester dans votre équipe. Des mois assez durs, surtout pour vous. Je pense que ça faisait un moment que vous étiez ensemble. Hein. Non, mais moi, j'ai lu ce qu'a dit Damien. Il y a beaucoup d'amertume dans ses propos. Mais ce que je peux vous dire, à vous, médias, c'est que Damien, je lui ai dit, écoute, Damien, tu as une chance unique. C'est que Paris-Roubaix est décalé en fin de saison. C'est la course de ta vie, montre-moi, sois incontournable. Et Damien a fait une mauvaise saison et Paris-Roubaix, il n'était pas là. Il a eu des problèmes, certes, mais aujourd'hui, Damien, il avait un marché en jeu. On n'est pas aujourd'hui dans l'assurance d'avoir un contrat, on est dans le sport de haut niveau et aujourd'hui, on doit faire très attention. Les places sont très chères et Damien a eu les cartes en main pour nous préparer une belle fin de saison. On lui a tendu la perche
Et voilà, il était pas présent. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a une belle histoire avec nous. Et voilà, les propos dans les médias, c'est pas ce qui m'excite le plus, mais c'est pas très grave. Je conserverai les bons moments que j'ai vécu avec lui. Bon, Jean-René, la dernière question bis, c'est les objectifs pour 2022 maintenant. Vous avez dit que vous voulez faire bouger les lignes. On a entendu plusieurs fois dans votre bouche le mot anticonformisme. On rappelle que vous êtes une équipe Pro Series aussi, pas une équipe World Tour. Vous n'avez pas de pression finalement du résultat. Ça va être ça un peu 2022, même si on se met toujours à pression? Ben non, parce que les équipes World Tour ont aussi une pression des résultats et nous, on a aussi une pression des résultats. On a une équipe qui ne gagne pas, c'est une équipe qui persona, mais n'oubliez pas que la victoire est vertueuse pour la dynamique de groupe. Et aujourd'hui, je dirais qu'on aimerait gagner de préférence n'importe laquelle. Mais je préférerais tout de même... qui est une victoire qui marque les esprits définitivement, comme ont fait les grands champions. Je reviens sur Merckx, Ocaña, Hino, des trucs qui ont marqué l'histoire. J'aimerais mieux marquer l'histoire une fois que gagner 10 courses. Voilà, c'est compliqué à comparer, mais aujourd'hui, voilà, il faut écrire des belles lignes qui font que les coureurs l'hiver ont envie de se voir, qui font que nos supporters nous en reparlent, que les sponsors soient heureux. Et la comptabilité, elle est pas très très rationnelle dans le sport. Il vaut mieux marquer les esprits, faire du bien aux gens, et puis la victoire, elle est supplémentaire, mais elle est parfois indispensable. Mais est-ce que c'est aussi important que ça? La victoire, elle est fragile entre un coureur qui gagne avec un peu de réussite et un coureur très fort qui fait deuxième. Moi, je juge pas. Merci beaucoup, Jean-René Bernaudot, d'avoir été avec nous. Alors, c'est un peu compliqué d'organiser ce petit entretien, mais au final, on y est arrivé. Merci beaucoup, Jean-René. Désolé d'avoir été très compliqué pour me joindre, mais c'est compliqué aujourd'hui. L'emploi du temps est très, 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 très chargé, mais je suis très heureux d'avoir fait. C'est le quotidien d'un patron d'équipe. Merci beaucoup, Jean-René Bernaudot, et à bientôt dans Vélo Podcast.